Eh bien, salut tout le monde, ici Capette Le Vrai pour une petite vidéo d'un jeu indépendant disponible sur le PlayStation Store, comme vous voyez qui s'affiche. Il s'appelle Ragdoll Kung Fu Fist of Plastic. Alors, je suis pas tout seul, je suis avec mon meilleur ami en tant qu'invité pour présenter le jeu avec moi, Alix6330. Salut tout le monde. Alors, je vous explique, j'ai que mon casque de mon Turtle Beach pour le micro, donc il va falloir qu'on élève un petit peu la voix. Je m'excuse d'avance, on va essayer de vous faire ça comme il faut. Alors, eh ben Alex, qui est mieux renseigné que moi, il va nous parler du jeu, alors explique-nous tout. Très bien, ben, tout d'abord, c'est un jeu indépendant. Je pense que pendant ce temps, tu peux mettre un petit défi. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait son nom, c'est Marc Killet, qui est à l'origine de ce jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un ancien de chez Lionhead, ceux qui ont fait les fables, tout ça, qu'il s'est barré du studio et qu'il avait déjà eu un petit projet qui s'appelait Ragdoll Kung Fu, déjà à la base, qui était sorti sur PC. Donc, ce Marc, après, il a confondé Media Molecule, et entre-temps, avec un petit studio Tarsier, de son petit nom, il a sorti en fait une refonte de son premier jeu sur PlayStation Store. Voilà. Donc on voit bien que c'est le même papa que Little Big Planet. Hein. Je pense, bon, on verra peut-être plus en détail pendant tout à l'heure. Gameplay, ouais. Mais déjà on voit à première vue par le moteur physique, et c'est le même moteur physique que Little Big Planet. Forcément, on n'a pas encore tout l'aspect texture qu'on peut avoir sur LBP par exemple, mais on voit déjà qu'au niveau des personnages, on a une physique assez poussée. Vous voyez qu'on peut danser aussi, comme dans Little Big Planet, toujours pareil avec les gâchettes L2 R2 et les sticks analogiques. Donc on pourra s'en servir pour des petits modes de jeu comme Roi de la Colline que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis aussi, juste pour le fun, en début de combat. Voilà, pour mettre le seum. Donc c'est un gameplay qui est super intéressant. Oui, parce que ce qui est très intéressant dans le gameplay, c'est qu'il n'y a aucun ciblage. Votre coup, il parle dans la direction de votre stick, ce qui fait que vous pouvez donner des coups de poing en l'air, des coups de poing par terre, vraiment dans toutes les directions. Voilà. Et ça marche en fait avec toutes les techniques de jeu. Un autre point intéressant de ce gameplay, c'est l'utilisation du six-axis, c'est-à-dire la reconnaissance de mouvement. Oui. Par exemple, bah, là tu viens de nous montrer, t'avais fait une super attaque en fait, qui voilà. Partait dans un sens, faut donner un coup de poing et secouer la manette. Donc comme ça, ça n'a pas l'air, mais je peux vous assurer que, surtout en plus contre un humain, un combat, ça devient rapidement fun et très fatigant, exact. Donc je vais continuer un petit peu. Donc je vais vous présenter un petit peu le jeu, là on est en combat ultime, donc bah, le principe hein, c'est de mettre la PT à tout le monde, donc on stun. Alors je vais vous expliquer le gameplay qui est très très simple et très très fun. Donc bah, vous tapez avec les poings avec la touche carré, vous tapez avec les pieds avec la touche triangle. Rond c'est pour se protéger. Et croix ben pour sauter tout simplement. Donc il y a des petits éléments du décor avec lesquels vous pourrez interagir. Ah je suis bon, j'ai pas fait long feu. Je vais refaire le gameplay vite fait. Donc ben simplement vous allez vous servir énormément de la détection de mouvement. Par exemple pour les coups lucioles. Donc pour faire un coup luciole c'est très simple. Vous appuyez sur la touche carré, donc la touche pour mettre le coup de poing. Et en même temps vous allez secouer votre manette. Vous voyez qu'en dessous de ma jauge de vie j'ai 5 boules bleues. Enfin là j'en ai une et j'ai 4 sphériens on va dire à remplir. C'est mon chi, je crois c'est le chi, c'est pas le oui, chi. Oui, ils aiment bien jouer en fait avec les codes. On voit il y a une ressemblance avec le ki de la plupart des jeux. Voilà, exactement. Et donc ben on a plusieurs styles de coups qu'on pourrait utiliser avec la détection de mouvement. Par exemple ben, le point luciole, carré, détection de mouvement. Il y a aussi l'écrasement, donc vous faites rond, pareil. Qui à la base est pour se protéger. Ouais, vous faites rond pour se protéger, détection de mouvement et vous allez mettre un grand coup au sol. Après il y a un autre truc que vous allez kiffer, le fameux Kamehameha des Dragon Ball Z. Vous allez juste à secouer la manette, ça va vous prendre une charge et vous pourrez charger une boule. Donc plus vous aurez de ki, vous l'aurez compris, plus vous pourrez faire une boule grosse. Et bien sûr qui fera de plus en plus de dégâts. Si vous avez vos 5 boules, vous ferez une méga boule qui fera un one shot. Tout simplement. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a une autre composante du gameplay qui est très présente aussi dans Little Big Planet, c'est attraper les différents éléments. Donc c'est toujours avec la touche R1, comme et on peut attraper pas mal d'éléments, que ce soit les ennemis, donc tu peux peut-être essayer de montrer. Ouais. Allez, je mets un one shot. Ah merde, je suis mauvais. Bref, on peut attraper les ennemis pour les fracasser par terre ou les balancer en l'air. Mais comme il vient de le montrer, on peut aussi attraper les pots, les armes, puisqu'il y a aussi des armes. Donc bon, ça va pas chercher bien là, il y en a que trois types, le bâton, le nunchaku et les shurikens.
Voilà. Et les différents pots. Donc là, on voit, il y a un petit objet en bas à gauche. C'est une espèce de statue de Bouddha qui sert à donner les 5 jauges de chi d'un seul coup. Et on a aussi les nouilles pour redonner la vie. Voilà, enfin, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, bah au niveau des éléments du décor, ouais. Vous pouvez aussi recharger votre vie. Alors le petit cheat, vous faites un point Luciole en l'air, vous retournez votre manette. En retournant votre manette, vous allez faire le yoga, le fameux yoga qui va vous pomper votre chi et remonter votre jauge de vie. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire un bon gameplay, mais pas de m'éterniser dessus parce que j'ai envie de vous montrer les différents modes de jeu et le mode multijoueur. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que le bouclier avec rond consomme du chi au fur et à mesure du temps, quoi. Voilà. Donc voilà, on peut pas non plus spammer le bouclier puisqu'à force on se retrouve rapidement à court. Donc ce chi, comment est-ce qu'on l'augmente? Bah tout simplement en donnant des coups, sachant qu'il peut augmenter plus rapidement si on enchaîne l'adversaire. Vous pouvez aussi monter votre jauge de chi, bon vous pourrez pas le faire dans ce niveau, mais avec les éléments du décor vous pouvez faire des acrobaties et ça augmente votre jauge, je vous montrerai tout à l'heure. Bref, donc bah, je vais essayer de battre ces deux petits gars et je vais me laisser mourir pour vous présenter autre chose, parce que je vais essayer de faire court et de vous montrer un maximum des choses. Voilà. Quoi d'autre? Ben comme on l'a dit, c'est très ressemblant au Little Big Planet. Donc on peut danser, bon ça je l'ai dit plus tôt. Vous pouvez danser avec les gâchettes L2 et R2. Vous pouvez agripper les objets avec R1. Et pareil, ben voilà, je suis mort. Pareil pour ce qui est coup de poing et aussi interagir avec les éléments du décor, donc les bâtons et les munchaku, ce sera avec le stick droit. Donc c'est assez marrant comme gameplay parce que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas assisté du tout avec une aide à la visée. Oui voilà, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser à un premier abord, le gameplay est beaucoup plus technique que ce qui paraît. Voilà. Donc là, bah, tu vas nous montrer Tireur d'élite, t'es bien meilleur que moi à ce... Ouais. Ce gameplay. Donc là, on a des comment ça s'appelle, des shurikens, voilà. On a des shurikens à l'infini dans ce mode de jeu et va falloir tout simplement les tirer sur les cibles. Comme ceci. Donc là, tout ce qu'il y a à faire, c'est utiliser votre stick gauche, évidemment, et les jeter avec carré, comme pour les coups de poing. Faut être précis avec votre stick gauche parce qu'évidemment quand vous poussez votre stick gauche vers le haut il va jeter vers le haut, quand vous le poussez vers la droite il va jeter vers la droite. Donc faut être vachement précis et c'est pas évident du tout. On voit qu'en fait ton score dépend du multiplicateur. Quand on enchaîne d'affilée, t'obtiens plus de score, ce qui à terme te permet de débloquer des éléments. Donc on en a pas encore parlé pour l'instant, vous voyez il y a une espèce de jauge en haut avec un score. Et ça détermine un peu votre rang à l'issue de l'épreuve. Et ça vous débloque différents costumes pour après l'éditeur personnage. Voilà. Alors l'éditeur de personnage, que pour faire un petit personnage vous utiliserez dans le mode histoire ou dans le mode multijoueur. Alors ce qui est vraiment dommage, franchement je crois que c'est ce qui manque énormément dans le jeu, c'est la partie en ligne. Il n'y a pas de partie en ligne, vous pouvez faire ça quand ça en fait on va peut-être enchaîner directement par le gros point noir du jeu, c'est forcément la durée de vie. Ouais. Puisque là on vous montre les défis, bon ça a l'air sympa mais on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Quand on y a passé peut-être une heure et demie, deux heures, c'est torché. C'est le gros maximum. Après à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un multijoueur qui est excellent, hein, franchement on se rend bien la peau. Ah oui, totalement. Mais voilà, ce sera un jeu pour si vous avez un ami à côté de vous qui peut jouer en local quoi. Mm-hmm. Bien préciser que là encore comme Little Big Planet, ça peut jouer jusqu'à 4 en même temps, donc si vous avez 4 manettes c'est super fun. Moi ce petit jeu je l'assimilerais à Super Smash Bros Brawl ou Super Smash Bros Melee. Parce que ça reste sur un plan, ça se joue jusqu'à 4 et le principe c'est de se tanner quoi, tout simplement. Et ça reste fun. Et ça reste fun, ouais. Donc il y a plusieurs modes de jeu, on va vous les présenter après. Il y a le combat ultime, hein, faut juste se tanner. Il y a la balle au prisonnier, alors la balle au prisonnier c'est très simple. Vous avez une balle en question et vous pouvez l'attraper. Le principe ça va être de la tirer sur l'ennemi, ça lui fera un one shot. Bien sûr l'ennemi peut se protéger ou peut l'esquiver. Là, toute la difficulté des trois. Ouais. Il y a également le roi de la colline. Donc en fait, c'est sur un terrain. Il y a une plateforme qui sera en surbrillance. Et le but, c'est d'être le seul sur cette plateforme. Et là, on voit toute l'utilité de danser. Puisque quand on danse, ça fait monter le score plus vite. Voilà. Parce que plus on reste longtemps sur cette plateforme, plus on gagne de points. Enfin, le dernier mode de jeu, c'est capture le poisson. Capture poisson, je vais vous montrer après. Ouais.
Ouais, multijoueur. Enfin, on peut peut-être. Ouais, en multijoueur peut-être. Oui. Et bah, le principe c'est simple, il y a une corbeille, il faut stanner pour attraper un poisson et ensuite le lancer dans la corbeille. Voilà, c'est un peu. C'est un, en gros, c'est le mode de jeu comme du basket, mais avec un poisson. Faut jeter le poisson dans le panier. Oui, donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui se prend vraiment pas la tête, hein, qui joue beaucoup sur les codes du jeu vidéo et même sur la culture populaire, puisque on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a le chi qui ressemble au ki, et avec. Bon, je pense que vous avez deviné la connotation. Voilà. Et puis même pendant les temps de chargement, il y a toujours une petite réflexion complètement idiote, mais qui fait tout le charme du jeu. Exact. Donc là, on va peut-être se lancer un multijoueur. On va se lancer un multijoueur. Attends, je voudrais montrer bah, justement les acrobaties qui font monter le chi. Je vais faire ça vite fait. Je vais couper en plein milieu. C'est pas beau, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Donc je lance les acrobaties. Là, c'est très simple. On a des éléments du décor avec lesquels on peut interagir. Donc des plateformes. On peut s'accrocher et pivoter sur nous-mêmes pour passer d'une plateforme à une autre, un peu comme un ninja, un singe, vous l'appelez comme vous voulez. Donc vous voyez, j'ai une plateforme en surbrillance et une plateforme en pointillé, et bien sûr, il faut que j'aille d'une plateforme à une autre le plus vite possible. Le but, c'est de ne pas toucher le sol, tout simplement. Donc je vous montre très rapidement. Vous voyez que ma jauge en haut de qui elle est au maximum. Donc le petit cheat, c'est quand vous tombez dans le vide, c'est de faire un point luciole. Voilà, excusez-moi. Je suis obligé de secouer la manette pour rester en l'air. Et ben voilà, je me suis suicidé. Bravo Capette, ça se voit que c'est en live. Donc voilà, on va passer directement au multi. Donc le multi, ben on va le faire tous les deux. On va vous présenter quoi en premier? On va vous présenter la balle au prisonnier. Ah, j'adore ça. Moi. Alors la balle au prisonnier sur une map intéressante. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Peut-être le moulin, moi j'aime bien le moulin. Le moulin, ouais, le moulin. Alors vous voyez qu'il y a... Il y a 5, 6, 7, 8 maps. Donc pour un petit jeu qui est à 10€ d'ailleurs sur le PlayStation Store, ça vaut le coup. Franchement, 10 maps, 4 personnages, énormément d'éléments à débloquer, des items, donc des chapeaux, hein, des choses, des personnages, un peu tout. C'est sympa, franchement c'est sympa. Allez, c'est parti, une balle au prisonnier. Donc je vais mettre 2 minutes. Équipe, non. Non, c'est ça. Hein. En fait, l'équipe, en fait, c'est vraiment à 4 que le jeu prend tout son sens. Puisque on peut faire des équipes de compte. Chacun pour sa peau ou 2 contre 2. Ah, il me fait penser au Black dans Opération Dragon, j'aime bien. Allez, c'est parti. Donc, vous pouvez utiliser soit les personnages prédéfinis, soit des personnages que vous avez créés dans l'éditeur de personnages. Bien sûr, ben, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'items et vous pourrez personnaliser des personnages quasi à l'infini. C'est franchement sympa. Allez, on se planche dans le gameplay. Donc, on peut danser un petit peu pour faire l'intro, voilà. Donc voilà, il va aller chercher la balle. Là, le principe, c'est de me la tirer dessus. Elle me fait one shot. Et donc, moi, je vais me protéger, essayer de récupérer la balle. Putain. Voilà, donc, tire-la-moi dessus. Voilà, vous voyez que ça me fait un one shot. Et donc, le but, c'est de gagner en score. Quand on fait un frag, quand on tue l'ennemi, on prend 5 points. Et donc, bah, celui qui aura le plus de score, hein, c'est logique, il aura gagné la partie. Voilà. Bon, j'essaie de jouer en bon, mais c'est assez chaud. Aussi, il y a des petites techniques, vous voyez, quand je me protège, ça renvoie la balle. Vous pouvez donc la renvoyer directement sur l'ennemi si vous faites ça comme il faut. Ça joue très très mal. Bref, franchement, d'ailleurs, on arrive dans les périodes de Noël. Si vous avez envie de passer un bon moment en famille ou avec des potes, c'est franchement le jeu qu'il vous faut. Oh, tu me l'as renvoyé, bien joué. C'est le jeu qu'il vous faut. Comment j'ai découvert ce jeu, en fait? Je vais vous expliquer. Donc, quand il était sorti d'abord sur le PlayStation Store américain. Moi, mon compte PSN, comme j'avais dit dans Wipeout, c'est un compte américain. Et je l'ai eu gratuitement, personnellement. Parce qu'à sa sortie, il était gratuit. Et oui, sur le store américain, il est resté gratuit une semaine ou deux. Donc, moi, je l'ai eu gratuitement. Et j'ai en plus, moi qui étais chasseur de trophées, je me suis rendu compte qu'il y avait des trophées sur ce jeu. On y montrera vite fait. Des trophées qui sont assez simples d'accès. Si vous avez l'habitude de jeu, vous pouvez faire les 100% en moins d'une heure. Mais si vous n'avez pas l'habitude, il y a un trophée, c'est débloquer l'or sur tous les défis du mode histoire. Ça va vous prendre un petit peu de temps parce que faut avouer que c'est très difficile dans certaines époques. Bon, on arrive à la fin de la balle au prisonnier, on va vous présenter après... Peut-être un capture le poisson. Ouais, un capture le poisson, et puis on s'arrêtera là. Je vous montrerai vite fait les trophées, si ça vous intéresse. Bien sûr, les trophées, c'est pour les gros chasseurs de trophées, il y a une petite technique.
c'est si vous possédez 4 manettes, vous pouvez essayer de booster en gros un écran scindé pour vous faire faire les trophées. Du genre, quand vous devez faire avec une grosse boule de ki, toucher tous les ennemis, vous les mettez tous à côté et vous chargez tout d'un coup. Voilà, donc c'est possible de les faire en écran scindé. Alors, on passe à la balle aux prisonniers, c'est parti. Bon, je vais peut-être en profiter aussi pour parler un peu de moi. Ouais, parle de toi. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense pas vraiment faire partie de la team Amazing Geeks. Amazing Geeks. Je suis plutôt là en renfort. Mm-hmm. Et, en invité. Oui. En invité de marque, même. En invité de marque. Oui. Et que, ben, on pense peut-être, pour les prochaines vidéos, faire BioShock. Ouais, BioShock. Et Metal Gear Solid 4. Et Metal Gear Solid 4, ouais, très bonne idée. Metal Gear Solid 4, il y en a des choses à dire. Ça tenait qu'à moi, je vous ferai un let's play, mais c'est long et c'est chiant à faire. En plus, j'ai pas encore récupéré ma télé. Mais franchement, ouais, Metal Gear Solid 4, sûrement le meilleur jeu sorti. Pour moi. Ah, ça n'est pas loin pour moi. Ça n'est pas loin, ouais. Un des meilleurs jeux. Si ah, moi, pas j'ai pas été jeu. Présenté, moi je pue. Moi. J'ai pas le droit de faire la t'as danse. T'as vu, ça t'a skip. Ah, oui. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas le droit de faire la danse, moi. Donc, vous voyez, il a rentré le poisson dans le panier, il a gagné 10 points. Donc, moi, le principe, ça va être de lui tanner la gueule, lui faire lâcher ce poisson. Et merde, tu m'emmerdes, Alex. Et ben pareil, au bout des 2 minutes, celui qui aura le plus gros score en points, ah, il aura gagné. Voilà. Donc, là, il y a 10 à 20. Les spawns, vous voyez, pour parler Call of Duty, les spawns, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, va falloir faire ça proprement. Oh, je suis mauvais. Vous pouvez aussi faire du trick shot, toujours pour parler dans le Call of. Donc étant donné que c'est un moteur physique qui est super marrant, super intéressant, il y a énormément de rebonds avec les éléments du décor. Et si vous faites ça bien, vous pouvez essayer de balancer le poisson contre un mur pour qu'il rebondisse dans le panier. Donc vous pouvez vous amuser à faire du trick shot, genre danser en l'air et balancer le poisson. Donc voilà. What else. Oui, on voulait faire BioShock dans la même après, mais vous la sortir 2 ou 3 jours plus tard sur la Amazing Geeks. Mais le problème, c'est qu'on a eu des soucis de micro, comme on l'a dit en début de vidéo. Et donc, ça sera pas à faire un petit moment, mais on vous fera ça bientôt. On a déjà à peu près préparé. Peut-être ce soir, n'empêche. Ouais. Si on arrive à se débrouiller, ce soir, tout est possible. Ouais, en rappelant bien qu'on est en commentary live. Donc on s'excuse par avance s'il y a des blancs ou s'il y a des petits cafouillages. Et que les gameplays ne sont pas d'une qualité des meilleurs. Car vous avez l'habitude de voir que Fête Levrel PGM vous proposer des gameplays de qualité. Et donc voilà quoi. Donc et ben on arrive à la fin du mode capture de poisson. On va vous laisser sur ces dernières images. J'espère que ce jeu Ragdoll Kung Fu vous aura plu. Franchement, je vous conseille de l'acheter, il coûte que 10€ sur le PlayStation Store, c'est pas beaucoup, et il les vaut largement, oui. Il y a une fonctionnalité des si vous pouvez jouer en multijoueur local, il vous promet de longues parties en diablé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que du Call of Duty, et comme on l'a dit sur le Amazing Geeks, on a envie de vous présenter des bons jeux, et pour moi, Ragdoll Kung Fu, c'est un très bon jeu. Donc je vous laisse sur les trophées, vous voyez. Donc trophée simple, hein, remporter le bronze sur tous les niveaux du mode histoire, argent, or. Après il y a des petits défis, donc tester les 4 modes de jeu. Donc capture de poisson, balle aux prisonniers, roi de la colline et combat, de la colline, combat ultime. Voilà. Et après ben il y a des petits trucs, au pire vous regarderez sur les sites internet pour voir comment faire les trophées et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je vous laisse sur ces images, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.